retrouve aujourd'hui avec César alias Google. Donc aujourd'hui, César, peux-tu nous parler de Badou Zaki qui vient de remporter le titre avec le CRB et qui revient pour reprendre les rênes du club de Tanger? Qui était Badou Zaki? Badou Zaki, grand gardien de but emblématique marocain et africain, qui a secoué le monde entier par son placement idéal, ses réflexes éblouissants, ses arrêts miraculeux, son instinct de placement, sa carrue imposante qui mesurait environ 1m86. Né en 1959 à Sidi Kassem, qui a fait ses débuts à la station sportive de Salé, puis transit du côté du Wydad de Casablanca, auquel il joue avec les SNT Assis Moutebala, plusieurs fois champion et vainqueur de la Coupe du Trône marocain et autres. Badou Zaki qui a fait sa première CAN en 1980 du côté du Nigeria, auquel le Maroc avait fini à la troisième place, dont à l'égide de Mamou Akati lors du match de classement 2-0. Zaki Badou, il s'est fait remarquer lors du mondial mexicain, auquel il est exceptionnel. De nombreux arrêts, de nombreux espoirs face au Portugal, face à la Pologne, face à l'Angleterre et ce fameux 8e de finale face à l'Allemagne. Malheureusement, la 87e minute de jeu, ce coup franc d'un certain Lothar Matthäus. Zaki, sacré ballon d'or africain 1986. Par le journal France Football qui avait devancé au classement son compatriote Aziz Moutebala et Albert Roger Mila. Zaki qui a fait la CAN 86 et sa dernière CAN était celle de 92 du côté du Sénégal. Lui qui est passé professionnel était 86 à la Palma de Mallorca, auquel il était devenu le chouchou de la capitale de la communauté des îles Baléares, finaliste de la Coupe d'Espagne 1991. Zaki, c'était vraiment la lignée des grands gardiens africains tels que Thomas Nkunu, Joseph Antoine Bell, Sek Ahmed Sek Cheikh, Sok Atuga, Robert Mwamba Kasadji, Robert Mensa du Ghana et tout autre. Zaki qui totalise au moins 120 sélections avec l'équipe du Maroc, grand gardien de but. Et lorsque on évoque Zaki, on évoque aussi la grande équipe marocaine de 1986 avec les Mohamed Timoumi, Aziz Moudebala, Mehdi Krimo, Abdelmajid Lemris, Lab Khalifa, Moustapha El Bias, Noureddin Diaoui, Meri Abdelrazak Kerry, qui a honoré l'Afrique la toute première équipe à jouer le second tour du Coupe du Monde africaine. Zaki, c'était le talent à l'état pur. Gardien vraiment inoubliable, exceptionnel. Vas-y, Philippe.